Il y avait quand même une tendance avant la pandémie à un questionnement par rapport à la valeur travail. On le voit bien, par exemple, sur l'arrivée des jeunes médecins au travail qui ne vont plus se mettre à accepter des gardes toutes les nuits, aller travailler à la campagne, être donc en permanence disponible. On a du mal à trouver des médecins le samedi. Voilà. La pandémie, pour moi, c'était un facteur d'accélération de ce changement. Il a fallu s'adapter très vite pour les entreprises, mettre en place du télétravail. Nous, on a dû mettre en place très vite des téléconsultations. Et de plus en plus, du coup, on a l'impression que dans le monde du travail, avec la pandémie, le télétravail, la crise, tout s'accélère aussi au niveau des décisions qui viennent de plus en plus d'en haut et qu'on doit mettre en place très vite. Il faut être de plus en plus réactif. Et du coup, c'est une certaine verticalité sans qu'il y ait un minimum de concertation, de travail collectif dans l'évolution du travail. En complément de cette première chose, effectivement, et dans la modification du rapport au travail, on a vu arriver quand même une priorisation vers l'épanouissement et la vie personnelle. Et le travail devient plus forcément la première des priorités. La deuxième chose qu'on remarque aussi dans cette accélération post-pandémique ou per-pandémique, parce qu'on y est encore, c'est l'évolution et enfin des difficultés managériales, je disais. Parce que avant, quand on était tous les jours au travail, on avait un contremaître ou un cadre qui regardait, qui avait une relation hiérarchique ou assez précise, cadrée, bien définie. Le télétravail fait que les gens sont moins sous la dépendance de la hiérarchie et beaucoup de managers sont en difficulté. Il y a la pression de leur N+1 qui dit qu'il faut que tu aies tels objectifs, des choses comme ça. Mais on ne peut plus refiler de la même manière la patate chaude aux salariés. Et souvent, on voit des managers qui sont twistés entre deux contraintes. Et moi, je découvre pas mal de cadres en souffrance depuis cette évolution du télétravail.